Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Lina, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau point Rivna. Donc, bonjour, c'est un chien, bien sûr, non, si vous n'avez pas reconnu. Donc, pour ce nouveau point Rivna, comme vous avez vu dans le titre, j'ai deux petites annonces à faire, donc une nouvelle série, bien sûr, et une grosse annonce, très très importante pour moi. Bonjour. On dit bonjour aux gens. Donc là je vais voir un match de foot, je fais un petit point à Rivna bien sûr sur la route. Donc je tourne cette vidéo dimanche, et donc dimanche vous avez soit eu une vidéo Mesa Chakach, soit une vidéo review. Donc ça dépend pour la vidéo review. En fait Mesa Chakach j'ai tourné il y a 2 semaines, donc voilà je la garde au cas où j'ai plus rien pour un jour. Et la vidéo review je vous la ferai si j'ai eu le temps de finir le show, parce que là le show dure quand même 4h30. Et j'en suis qu'à... Enfin, en gros, il est en 5 parties de 45 minutes. Et j'en suis que... Il m'en reste 2 à faire. Il me reste les 2 dernières parties. Ça va, c'est pas bruyant. C'est pas bruyant, quoi. Vous savez quoi, on va se poser. Non, on va pas se poser parce que je peux pas. Mais on va quand même... voilà. Et donc... Bonjour. Je ne connais pas ces gens. Et donc, alors, on va commencer par les deux petites annonces qui sont quand même très importantes pour moi parce que ça reste des concepts qui me tiennent à cœur. Alors, ces concepts, donc on va commencer par le premier qui arrivera demain. Donc ce sera chaque dernier jour du mois, les meilleurs matchs du mois. Voilà, donc là on commencera numéro 1 en février 2017. Et ce sera par rapport à mes reviews. Donc je prendrai les images que j'avais prises pour les reviews et les meilleurs matchs par rapport à mes notes. Voilà. Et donc on verra quel a été le meilleur match. Et je ferai pareil pour les meilleurs matchs de l'année. Donc il y aura bien sûr de l'Indie, il y aura de la WWE, il y aura vraiment de tout. À part bien sûr les shows que j'ai pas vus. Je peux pas noter les matchs alors que je les ai pas vus. Et comme j'en ai vu beaucoup, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait j'aimerais bien faire. Alors du coup. Il y aura forcément des shows parce que j'ai pas fait les reviews de tous les shows. Donc il y aura forcément des shows. Ça se trouve, il y a des matchs 10 sur 10, mais j'ai pas pu les voir. Voilà. Donc forcément, il y aura des matchs peut-être que je passerai à côté, ou peut-être pas du tout parce qu'ils sont mauvais. Et donc ces matchs-là, voilà, je m'en excuse. Hein, mais je ne peux pas regarder tous les shows. Enfin, je veux bien regarder les shows. Par exemple, là, je sais qu'il y a. Donc là, en fait, la review qui devrait arriver, donc c'est un show que vous ne connaissez absolument pas, bon, à mon avis, la Wrestling Circle, leur premier pay-per-view, il y a Ricochet, il y a des très bons catchers, donc j'avais envie de faire la review de ce show parce que c'est un show qui me tentait, honnêtement. Faire la review de ce show. Voilà, donc ça ce sera logiquement aujourd'hui, sinon mes achats. Donc là lundi ce sera cette vidéo que vous voyez là, et donc demain les meilleurs matchs du mois et forcément la review. Donc je sais qu'il y a Evol 78, Evol 79, les 20 ans de carrière de Tony Maccabé pour de Togi Maccabé, putain j'y arrive jamais, de Togi Maccabé pour ses 20 ans de carrière à la New Japan, la 2XW Dead End et voilà. Et Progrès chapitre 44. Voilà, donc c'est 5 shows. Il se trouve, il y a des matchs de fou dedans. Mais j'ai pas le. Voilà, c'est pas mon métier, j'ai pas le temps. Voilà, j'essaye de regarder un show par jour. Voilà, pour ne pas vous mentir. Donc, bon, au bout d'un moment aussi, je suis jamais lassé du catch parce que c'est toujours différent. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je peux pas regarder non plus tous les shows. Mais surtout faire les reviews parce qu'il faut que je fasse une vidéo par jour. Parce que si je commence à en faire 2, 3 par jour, ça va finir. Donc non, voilà, je préfère, mais après voilà, si je passe à côté de gros matchs, ben tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et du coup voilà, c'est pas par rapport à quand j'ai sorti, par exemple au mois de février j'ai sorti la review de Progrès chapitre 43, donc ce sera pas par rapport à ça, voilà, ce sera par rapport à la date officielle du show. Donc là il y a quelqu'un, et donc il doit me prendre pour un fou à parler tout seul à mon téléphone, mais c'est même pas que je suis en train de téléphoner comme as, je suis vraiment en train de parler à mon téléphone. Donc voilà, alors je vais du coup faire pause hein, parce que sinon vraiment il va s'inquiéter, même si je le connais absolument pas, il va avoir très très peur. Alors c'est très très bordélique, bon on s'en fout des gens, allez venez, on fait nos tailles. C'est très très bordélique, donc là je vais voir un match de foot, alors je ne sais absolument pas quelle heure il est, on va vérifier ça en direct. Voilà. Donc le match commence à 14h30, il est 14h15,
Voilà, c'est mon club. Ils sont en CFA2 quand même. Pour ceux qui s'y connaissent en foot, mon petit village sont en CFA2. Eh les gars, on rigole pas nous. C'est la 5ème division. 5ème division française, les gars. Eh, on rigole pas, hein. On rigole pas ici. Non, là, c'est un match de coupe, là. C'est un match de coupe. Voilà. Et en fait, je suis tellement un escroc que l'entrée coûte 5 euros logiquement. Et moi, comme j'ai joué dans ce club pendant 3 ans, je connais des passages. Voilà, bon, on s'en fout. Et du coup, voilà, je connais plein de passages. Donc, deuxième série qui va arriver, c'est 5 catcheurs à surveiller. Voilà, je crois que c'est ça le nom. En fait, ça va reprendre le principe des catcheurs review. Donc, des catcheurs inconnus, pas connus, qui n'ont ni catcheur à la WWE, TNA, NJPW, ROH. Et peut-être AAA. Et la Lucha Underground, on dit que ça passe. On dit que ça passe à Lucha Underground. Voilà. Donc c'est 5 catcheurs à surveiller. Et donc voilà, j'ai déjà préparé le premier. Il faut juste que je tourne la vidéo. Donc je vais vraiment essayer de mettre des catcheurs un peu connus par rapport à Extreme Warfare Revenge. Et des catcheurs vraiment inconnus, même moi que vous ne connaissez absolument pas. Donc je vais vraiment essayer de faire ça. On va se poser là, parce que sinon on va me prendre pour un fou si je rentre dans le stade en train de parler à mon téléphone, sachant que je... Oh putain, ils ont tout détruit. Bon bah là, honnêtement, le passage, je crois qu'il est fait, les gars. Le passage gratuit, je crois qu'il est fait. Parce que logiquement, je passe par là, ouais. Donc là, je crois que le passage gratuit, c'est bon, je l'ai. Du coup, alors il y a encore des gens. Donc, on va avancer comme si rien n'était. Donc, je sais pas si. Et du coup, la grosse annonce que vous voyez dans le titre, c'est, alors attention, vraiment c'est une annonce qu'on veut vous faire depuis maintenant un mois avec GMD et tous les membres de cette nouvelle chaîne, puisque oui, je vous l'annonce, une nouvelle chaîne, les gars, mais pas n'importe quelle nouvelle chaîne, puisque je sais pas ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça. Tu voulais faire le Grand Match Club, j'ai fait ça. N'importe quoi. Non, bien sûr. En plus, j'ai dit le Grand Match Club, vous voyez. J'ai voulu faire le Bullet Club, mais du coup, voilà, je vous ai un peu spoilé. Le Grand Match Club, voilà. Florian, bien sûr, un membre de l'équipe, s'appelle Team Grand Match. Et du coup, voilà, c'est un délire qu'on a depuis très longtemps, le Grand Match Club. Et on voulait absolument créer une chaîne, donc ce sera une chaîne commune avec tous ces gens. Voilà, donc on réuploadera des vidéos comme les Review Catch, les Wrestling Indie Quiz, mais aussi des vidéos 100% inédites au Grand Match Club. Donc j'espère en tout cas que cette chaîne vous plaira, parce qu'on y bosse de fou et on veut vraiment, vraiment vous faire plaisir avec ça. Et voilà, des vidéos inédites, donc forcément on sera à plusieurs, hein, puisque sinon c'est mort le concept. Hein. Forcément. Et vraiment, j'espère que ça vous plaira, parce que voilà, on veut vraiment que cette chaîne ouvre, on a hâte et on y bosse depuis pas mal de temps. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire, enfin voilà. Donc c'est quelque chose d'assez important pour nous, et donc j'espère que ça vous plaira en tous les cas, parce que voilà, on veut vraiment vraiment créer cette chaîne. Donc en tout cas, voilà, ces annonces, j'espère que vous auront plu. Moi, c'est 3 concepts. Enfin, 2 concepts et une nouvelle chaîne, j'y tiens de ouf, parce que je pense que ça va devenir des concepts très importants. Enfin, 2 concepts très importants et une chaîne également très importante. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner. Donc je vous mets la chaîne dans la description, bien sûr. Et donc en tout cas, les gars, moi je vais vous dire, à la prochaine vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter et de vous abonner. Bye tout le monde.